J'espère que vous allez bien. La pénance en a bien, l'angolo en colo. Alors, si c'est la première fois que vous avez tombé sur ma chaîne YouTube, Table Ronde ESK Officiel TV. Coucou les amis, ma famille, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker. Ça me fera vraiment énormément du plaisir. Alors, la recette n'a pas été l'eau. Naye na kusale la bino, toza na tilapia na biso, toza na recette tilapia. Donc tilapia na ngayango yo, na sukoli yango déjà très bien, lenge boza komona. Donc ils ont vraiment déjà na sukola kango, lenge bomoni tilapia na ngayango yo. Na recette na biso ya tilapia lelo. Donc, les épices na biso to peut utiliser tozana oignon, tozana poivron vert, tozana poivron jaune, tozana poivron rouge. Tous un poivron la biso rouge, dengue bozo mon a toi un poivron rouge. Na tous un poivron rouge, tous un sel, tous un ciboulette, mais ciboulette la biso esas na mocha ciboulette sec. Tous un huile la biso végétale. Tous un mayonnaise. Et puis na mocha les sauces, tous un sauce na biso ya tartare, et ça mélangé na un peu de mayonnaise encore. Toza na poivron na biso, poivron noir. Toza na végéta, ya onde to peut utiliser les lots comme ba épices na biso. Alors, comme déjà poisson en gras déjà na sina sukola qui en vraiment très bien. Dengi bino moko bomoni poisson na sukola ki yango vraiment très 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 bien poisson na biso na sukola ki yango bien tout ça. Alors pour na ko épicer poisson na biso na kobanda to tia sel na biso mais na kotia vraiment sel mingi te na kotia sel na biso donc na tia vraiment cuillère mobimba te na tia kaka demi cuillère à café. Après, tu retiens la végéta. Tu retiens la cuillère, cuillère à café, il y a végéta na biso. On a rebaxé la sauce au moins, pour vraiment, donc, goûter kotaxi na kati. Après avoir retiré kotia végéta, nakoya kotia poivron, nakoya kotia poivron noir na biso. Mais poivron noir non tia vraiment minité, hein. Non tia juste mouké. Voilà. Donc, on a tiré végéta na biso, après tu roya kotia tartare na biso. On a tiré quantité, mais quantité moko un peu vraiment ya mingite quoi. Kotia tartare na biso. Donc voilà, on tient les sauces mayonnaise. Mes amis, la famille, si c'est vraiment votre première fois de tomber sur ma chaîne YouTube, Table Ronde ESK Officiel TV, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker. Ça me fera vraiment énormément du plaisir.
Voilà. Après, on va faire des sauces au poivre noir, ma bisounke. Pour la monnaie, ma poivre noir, ma bisounke, qui m'invite. On va faire des sauces au poivre noir, ma bisounke. Après avoir coupé sa poivre noir na biso, na roya kotia ciboulette, mais ciboulette na biso ndenge na ipsa kibino, eza ciboulette sec. Donc na rotia kaka mwa muke. Na tia ciboulette na biso. Après avoir kotia ciboulette na biso, na roya kobaki sa huile végétale. On va mettre l'huile végétale dans la biso. Donc, tu retiens l'huile végétale dans la biso. Pourtant, tu retiens le poisson dans la biso, dans la four. Le poisson dans la biso est à la secte. Et on a l'huile. Mais on retient vraiment mingité comme on a déjà mayonnaise. Comme on a mayonnaise. Comme on a sauce tartare na biso, donc ils a déjà la matière gras et belé, donc huile végétale na biso on retient vraiment minité, sinon ma tilapia na biso poisson na biso vous allez vraiment trop gras, on dit vraiment ils allez vraiment peu trop gratter, donc huile végétale na tient vraiment quantité à minité pour la mayonnaise ils en a gras et puis sauce tartare na biso pesa gras quoi. Alors, après avoir épicé poisson à biso na végéta, sauce tartare, poivre noir, ciboulette, mayonnaise, sel. Si on a trois sortes de poivrons à biso. Mais poivrons à biso, on a quatre. On a quatre, tout ça, on a quatre. Ou bak sa li sou sou ay na biso, me ay na biso e wazala ay na biso e zala poudre. Yango nde we wazou mouna ay na biso e zala ya poudre. Yango nde tou baki sa tou tia mouke na kati pi mouke msous tou tia mougiste na libanda. Voilà les amis, on y pose un absorbio. Pour ceux qui ont un grand mouquet, donc la épice et ça, ils ont la tendance à recouvrir. Donc il faut vraiment la serrer très bien pour que tu aies un rondé et au pire ça dissout vraiment goût. Après, on a regardé on a grillé la biso. Tu allumer four na biso, four na biso tu allumer en haut, c'est qu'on a déjà allumé four na biso, tu retiens en haut à 200 degrés. Et puis le four na biso on a allumé en haut et vous allez donc réchauffer na likolo et puis réchauffer directement là. Donc poisson na biso en haut et toujours côté ça on a four. Na rotia mayi na se. Na rotia mayi na biso, na rotia na se. Comme ça, mayi e kwede biso, po poisson na biso ezala jite, ezala vraiment sec te. Na tia la toujours mayi na se. Comme ça, tant rotia mayi na se, pour permettre four na biso ebimisa vapeur. Vapeur a ne kwe de biso pour poisson na biso ezala jite, donc ezala vraiment sekte. Je vais couper sa vapeur, vapeur a natang le banon mata, donc poisson kouka kouka vraiment te. Alors, mes amis, tout ce qui poisson na biso na four,
Donc, taille à cuisson à bisso, et ça entre 45 à 1 heure du temps. Pour te retirer en gros, vous mettez bien la jante. C'est quoi, on a eu la cuisson à bisso, mais les autres, nous m'envoie là. Donc, il y a un moyen. Il y a un moyen de les besoins, donc, les autres, elles sont vraiment très bien. Très bien. Ok, tout ce qui est vraiment la sauce au thym. Donc, environ dans 20 minutes, et vous allez déjà dorer, vous verrez très bien, des tableaux de la haine. Alors, coucou les amis, coucou la famille. Aïe, le soukota la poisson la bisso, mais cette fois-ci, gota la vapeur n'est pas. Donc, ma épée, ça a vraiment vapeur, moi, comme ma cassie. Poisson la bisso est belle. Gota la bino, mon bon n'est pas belle. Donc, qui tout comme ma cassie. Donc, vous, mon corps, vous pouvez imaginer. Tout à la même dingue j'ai lancé donc personne habitué à vraiment agité tout ça donc ils adoraient c'est beau donc les caca contre ça on attend na assiette c'est quoi donc comme la maman habitue il y a contre ces poisson habitue. Oignon na biso, tu coupes pas carreau à rond, tu retiens des sortes de citron na biso, citron vert, na jaune. Tu retiens persil, na tomate, cerise. Donc, la recette na biso ya lelo yango ndenge bomoni bino moko bojije bolobi nini donc pesi vraiment kitoko makasi. Alors ndenge na kobandela na recette na soir lelo tozaki na poisson na biso ya tilapia tozaki na poisson na biso ya tilapia poisson na biso to episango na vegeta tu épices na vegeta na ail mais ail na biso ezalaki ail en poudre tartare mayonnaise huile végétale ciboulette sec tota ki pesel mouke na poivre noir ki poivron vert poivron jaune poivron rouge. Alors, tant aussi si ko tumba poisson na biso, to bimisa ngo na four, to décorer yango na des sortes ya citron vert, na jaune et puis to tie tomate cerise et puis na persil. Na poisson na biso, donc to ko ki ko accompagner ngo na banane plantain, manioc, pourquoi pas na semoule. Na kwanga na pombe terre pe ele kaka nango ba me kaka kaka ele kaka nango donc résultat ya poisson na biso ngoyo etikali kaka moma to déguster
Alors mes amis, la famille, quant à moi, je vous dis, si vraiment c'était pour la première fois de tomber sur ma chaîne YouTube, Table Ronde SK Officiel TV, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'aimer la vidéo. Donc, ça a vraiment énormément de plaisir pour nous encourager. Alors, à très bientôt à la nouvelle vidéo. Bisous, bisous. Ciao.